الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين على جميع الأنبياء والمرسلين sabati ka kitu tiga ala ka jow ni ñoon ci ni la dria ni tli ñay bo ko na ñoon toñu mo si ka hakete ta gbansan olu ka fan ko ro ngambe fan mi na ni ne jien fanale jien teu ma fana a chama jien ni na ko fana to ko ni na ko fana ado la benndo kadugu ne jow be jeni ale ka fanga kama doye jende wa fanga me ala du gote inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim o fanga nunu ala wa dewo yere de bo o fanga di atigu ma me o ba dini kanju me be ba dini kan fa fleli ki ka intere be minna ode kama ala ka fanga maketi kide nga fanga maketi amaye maye fonyo ya bena islamay ala be kuma chama fala ala krate vote o ah mo be bla non la fanga te vote mo ko fe parce mo be vote ke mu kama ni du mo e ka ton e ba fle e ka je na fa be ni mo mi fanga be tole ta fe alo na ba de bla la ku yo ke donc la droite n'a pas été du colocan c'est bébé n'est pas n'a les fleurs pour café et on a tabé ou nous fana connaît donc à sa doye devina avec la droite sabati elle m'a dit on met sabati donne le bois toi nina le café toi nina mais tapé pour qu'on ait beaucoup matéo à sa masse égale à ta gamme c'est grave elle m'a dit on t'a les gars vous devez le voter na be be ma tugo na ba keti le na faraku mo so chama ka kiti do na tara do vote mi re te be ala ta ma be ta hake n'est pas voilà là on parle de la démocratie là sur le chama mala an islam a te be ne al wa te be ma be ta ha mais avec flade don ne ta ga hera ka boni ada ka jow ni ka ta me don ka que o dizer um chama na barra me cada uma de um para acabar o suco africano na fora para nga suya ka wa be digana me vraiment suya de e ka jamana be na fora ko mo do ka intere kama abuna ki le manipuler ki ble ka jamana contre la calme o te me fala ingenieur le sauvage ya teo ne politique tuwa buyen ni leader de mande eo e bi boka jamana ya fe ni bo do ya fe tien ko jini mado ne ya utara par exemple bis jini bis me na ba ma di be de be na fa so la lote o ko la ki ka i varien be de toyo parce que i varien be ka marafendi et maman ko kelen ton de il ka i varien be de to parce que moi ko bien ko me o tigitala tigibala betali ni ka o kelen tien ke tu as opprimé 20 plus que 22 millions de Ivoiriens. Donc c'est la sauvagerie extrême. Vous voyez?
parce que colère n'a d'abord terminé avec mon gars, par madame avec lui qui voit car madame la halle, tu es un sauvage, tu deviens un cheval farouche. Donc tu es prêt à faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a plus de maîtrise de soi. Donc Adam a dit, au recommandant, dîner ou non, c'est qu'Adam a dit, maîtriser. Avec une fois force, une mobilité, il y a un moteur bas là, tu vois. Aussi, il faut un moteur bas là, mais frère, t'as là. Donc Adam a dit, tu as un fan de bité, mobile frère, t'as. Force, il dira, force, il faut aller maîtriser, aller mousser. Bon, on va voir bien la tigane de la quand il vole ou quand il est en ignoré. Vous voyez, non? D'où sont les alama, d'où sont les alama? D'où est dîner de la ouïe, le bouquet là? Politique n'est allé à l'aide de la dîner. Et non, en principe, ni éveillé. A qui nous veut baraquer? Un Ivoirien ne doit pas voter quelqu'un parce qu'il vient de sa région. Ou bien il est de son ethnie. Ou bien il est de sa religion. Non. Un Ivoirien doit regarder qui est plus utile pour la Côte d'Ivoire dans son programme politique. Ne hakilu et barake, vote bike tendu. Regardez dans les grands pays qui sont avancés un peu. Et le programme dit, n'est-ce pas que le programme qui est Djamana, n'a pas de Djamana la Tara Nyanfe, que Djamana de la Tara Nyanfe, que Yirwa Sabati Djamana Kono, que la Afia, Anne Ben Sabati Djamana Kono, n'est-ce pas que le programme qui est assuré à mi voter au cas. Jamais, on ne va pas te voter si tu viens pour diviser la population sur une base religieuse ou ethnique ou bien n'importe quoi, non? Parce que tu seras un homme de la zizanie ou bien de la calamité. Et on n'a pas besoin de ça. Donc, en principe, Adamadé, tu m'as kanka, pourquoi aller à Adamadé, on fera pour toi pour qu'elle casse financière. À cause de quoi? Mouna, vous savez que dans la loi de Dieu, c'est la meilleure toile de. Oui, à la loi, c'est les musulmans, c'est les chrétiens, c'est les juifs, c'est tout le monde. On n'y a ni que l'on fera, parce qu'on n'a pas qu'à la nasa, j'ai mis un, avec ta rata qu'on en a. Depuis on fait un de la quelqu'un qui le fera depuis au héros là au loi c'est grave au loi c'est grave c'est grave donc ça c'est depuis Adam on est quand ni qu'elle le fera à une fois il garde ma dame et fera ni quand ni qu'elle la n'a pas à une fois il garde ma dame mais regardez aujourd'hui. Adamaden me wuli kata Adamaden do fera sauvagement à cause de quoi? À cause de la haine. Cette haine là vient d'où? Vous voyez non? Atama hachidia sauvagia. Mais ça passe. Mais au nom de la politique. De quelle politique? Moi je pense que pour gouverner, c'est pour faire le meilleur, pour faire mieux que l'autre. Mais les pharaoniques, qui ont une tâtion en avoir là, donc ça ne plaît. Quelle est la philosophie de cette gouvernance? Toi, tu viens pour détruire, tu viens pour construire. Et tu viens pour détruire, pour reconstruire. Il y a quelle sagesse dans ça? Voilà, donc nous sommes tous concernés. Parce que la politique est mouillée. Nous ne faisons pas qu'à l'heure, nous sommes des hommes religieux, quoi, on ne doit pas parler. Quelle est la politique? La politique là, c'est quoi? Gouverner le peuple, n'est-ce pas? Toi, tu n'as pas doté par Dieu pour le faire. Vous voyez?
Tu es choisi par le peuple. Tu dois servir le peuple. Donc, Armadon qui choisit fin dans les camas, c'est pour un objectif. Tu dois leur servir. Tu dois essayer de réaliser cet objectif-là. Tant possible. Mais les Armadon, donc les politiciens vont nous utiliser comme des animaux. C'est comme si on est dans le pâturage. Oui, nous quand on coule, on me coule, on ne sait pas pourquoi on crie. Si on dit de taisez-vous, on s'était, on ne sait pas pourquoi on s'était. Oui, c'est parce que nous, on est sauvages. Sinon, aucun politicien ne peut bah, utiliser les gens comme ça. Instrumentaliser les gens. Stigmatiser. Qui blacatra comme un sauvage, comme tu envoies un chien d'aller chasser. C'est devenu comme ça. Ça, c'est quelle population? Si les autres disent qu'on est sauvage, on est primitif, on se fâche. Mais toi, tu es là à cause de ton intérêt politique. Parce que tu aimes ces politiciens-là. Tu détestes l'autre-là. Tu es capable d'instiger les autres à aller faire poser des actes sauvages et barbarismes sur certains peuples, ou bien sur certaines ethniques, sur certaines religieux. Mais tu es plus qu'un sauvage farouche. Oui. Ton image est humaine, mais ton essence, c'est un cheval très, très, très farouche, très dangereux sur lui et sur les autres. Oui, parce que nous, comme Kerem Faraïle, car instigation, comment? Donc, tu prendras la responsabilité devant Dieu. Il faut tout faire pour ne pas mourir. Sinon, tu vas répondre à tes actes devant Dieu. Tu ne te crois pas, ça, c'est ton problème. Mais après la mort, tu vas répondre à ça. Donc, soyons responsables dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons. Parce que nous sommes responsables de tout ça devant Dieu. Donc, Allah le Kabed, il nous a succédé sur terre-là. Pourquoi? Armadon devait Allah représenter à Dougolo Khan. Est-ce qu'elle nous a suggéré pour détruire la terre? Non, c'est pour construire. Donc, mais construction, mesdames et messieurs, ce n'est pas le mur là. Il faut construire l'homme d'abord. Vous voyez aujourd'hui, si certains prétendent critiquer l'islam, chaque des actes terroristes, tout ça, on parle de l'islam. Mais c'est de quel islam vous parlez? L'islam que Dieu a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été un islam de terroristes. Jamais de la vie. Mais c'est l'islam qui a été erroné par vous-même. Exploité par vous-même. Qui ressemble à l'islam des Umayyades. Que vous avez utilisé et vous connaissez bien. Que vous avez utilisé pour vos intérêts. C'est ça qu'on appelle même le mot jihad, les Ben Laden, les quoi-quoi. Qui les a fabriqués? Ce n'est pas vous les Occidentaux. Mais il faut être un pays bâtard, immoral comme la France. Toi Macron, tu connais quoi de l'islam? Macron, Blancourt, tu connais quoi de l'islam? Quand tu veux parler de liberté de l'expression, dis-moi. Donc il y a des exceptions? Cet amalgame, ça vient d'où? Si on t'insulte, toi, tu convoques la personne, tu me parles de quoi? Liberté d'expression. Non, ta liberté prendra fin lorsque la liberté des autres commence. L'homme est sacré parce que c'est une créature de Dieu. Vous voyez?
Donc on doit respecter les sacrés des autres. Et ça, on appelle la civilisation. Mais lorsque Charlie Hebdo va publier quelque chose qui profane les sacrés des autres et vous l'encouragez dans ça, non, on dirait que vous êtes maudit et Charlie Hebdo est maudit et tous ceux qui le supportent aussi sont maudits. Et nous les maudissons aussi. Et ils méritent tout ce qui les arrive. Et l'enseignant qui a été décapité parce que il a voulu faire ça. Toi dans ta vie, là, tu n'as rien à faire si tu n'es pas de coloris comme ça. Tu es irresponsable. Donc il a répondu à ses actes. Nous n'encourageons jamais la violence, ni le terrorisme que vous avez planté. Vous avez semé ces graines. Et c'est ces graines que vous avez semées là qui est en train de vous manger, de vous détruire aujourd'hui. Ils sont élevés par qui? Vous avez envoyé les terroristes de la France, de l'Amérique, partout pour aller détruire les pays comme la Syrie, la Libye, les quoi. Vos alliés qui ont détruit la Libye, là, pourquoi ils sont venus au Mali? Tu viens derrière et tu les bombardes. Ils sont devenus tes ennemis. C'est quel jeu sale. On ne parle pas de votre passé colonial. Vous avez tué tant le peuple, détruit, pour construire votre civilisation sanguinaire. Et vous nous parlez aujourd'hui de liberté de l'expression, droit de l'homme. Vous avez détruit de l'homme hier, c'est aujourd'hui vous parlez de droit de l'homme. Alors, donc, tout le monde peut nous donner une leçon en morale, sauf vous. Même c'est qu'elle est dans ma djogola, mais c'est pas vous. Donc vous dit de boucler vos gueules. C'est pas vous. Ils vont nous donner la morale. Non. On est fatigué. On veut un monde paisible. Mais comment ça peut se faire? Jusqu'en 21e siècle, la colonisation passe. À Nyeda Djougouirekan, vous continuez à piller les peuples, à stigmatiser les peuples pour vos intérêts. Et alors, on n'a qu'à faire quoi? Hein? Donc, Allah de taille du coulo, inna l'arda lilla, yuris wa man yashao min ibadi. Alors c'est qu'Allah a promis nous voulait, ça vient. Depuis David, Dieu a écrit. Voilà, quand ketabna fi zaburi min ba'd zikri, anna l'arda, yuris wa ibadi ya salihou. Dieu a prescrit ça depuis David, que la terre sera héritée par le bon serviteur de Dieu. Ça, c'est une promesse qui vient. Que vous voulez pas. Atara Karola, vous avez créé, fait des missiles, de quoi pour là. Tout ça ne va jamais empêcher cette promesse-là. Oui. Donc, attendez seulement. Lorsque ça vient, à tout ce qu'il faut y parler. Oui. Même mouche, Dieu, vous ne pouvez même pas créer une mouche. Ça, c'est un défi que Dieu a lancé. Créer une mouche, on va voir. Tout ce que vous avez comme de connaissances, ça vient de qui? Vous avez oublié Dieu, vous avez donné droit à tout, pensant que vous êtes devenu des dieux. Voilà. Même si le coronavirus a été fabriqué par n'importe quoi, mais ce qui se passe là, c'est quoi? Vous pouvez empêcher la mort? Si vous voulez oublier Dieu, je vous conseille d'abord de commencer à tout faire pour empêcher la mort. Là, on va vous applaudir. Mais vous, les arrogants, les quoi, là, vous allez mourir comme... Et alors? Il y a quoi dans ça? Donc,
Nous espérons quand même qu'un jour en Côte d'Ivoire ici, les Ivoiriens vont voter un candidat en regardant son programme sociopolitique, en regardant l'intérêt général de la Côte d'Ivoire que celui-là peut apporter aux Ivoiriens. Pas sur une base ethnique, ni religieuse, ni quoi que ce soit. Mais tout ça, on a besoin d'un programme social, éducatif. Mais c'est ce que certains politiciens ne veulent pas. Parce que nous, quand intérêt tout là, voilà, donc il faut manipuler la population pour leur intérêt égoïste, personnel. Sinon, sereinement, et toi, tu veux construire un pays, tu viens te détruire d'abord, tu vas construire quoi alors? C'est le contraire, tu dois conserver ce qui est là et puis viens ajouter dessus. On ne fait pas le contraire. Mais comme on dit, l'homme peut être l'ennemi de soi-même par cette manipulation. Donc, c'est les Ivoiriens qui doivent quand même venir à la raison, voir les choses autrement, objectivement, à épité de ce pays-là qui dit « Dieu vous a confié ». C'est un dépôt divin. C'est un héritage. Donc, chacun doit quand même apporter sa contribution positive sur cette vie-là pour enrichir. Ce n'est pas pour faire le contraire. Donc, il s'avalit. Il s'avalit qu'à 12 secondes, madame. Élection, c'est quoi? Cagnon Fara, ça va donner quoi? Destruction, ah, ça va donner quoi? Toi-même qui as détruit quelque chose, tu as tué quelqu'un, reviens-toi un peu à la raison. Ça va te donner quoi? Tu seras content que tu as tué quelqu'un? Tu seras satisfait parce que tu as détruit quelque chose? Bien des autrui? Non, cela veut dire que toujours, tu n'es pas humain. Non. Dans ton naissance, tu n'es pas humain. Mais quand on te demande, tu vas dire que tu es humain. Tu ne vois pas ton image. Donc, Allah fasse que nous touche notre image. Quand il y a image, tu diras non. Allah a jamais ne sabati. Kabem Blakono, c'est lui qui détient les cœurs, qui apaise les cœurs. Politicien ou Kakeli Mandouma, oui, Djamanadéan Korofamou. Quand on dit patriotisme, c'est quoi? Celui qui aime son pays et ne veut pas que aucun mal arrive à son pays ni à son peuple. Si tu veux être un vrai patriotisme, c'est ça. Sur l'étendue de son territoire, il ne veut aucun mal. A te fait tort ici à un rossiment. Il est jaloux. Cette jalousie positive. Pour que Toro Kanase Alema, Anna Signoroma, Anna Yadamadin Toroma. Et c'est mais nos bras là-dedans, toi tu es prêt à brûler, à détruire, à tuer pour être une tête sur ça. C'est vous voyez? Donc utilisons un peu la raison. Dieu nous a donné ça pour une cause, une noble cause qui concerne notre existence éphémère sur cette terre-là. Donc on doit en profiter.
que Dieu nous donne cette opportunité et cette force. Donc, on va faire la doua ou les camps. Parce qu'on va faire les faits. Les diamants, des bébés. Mais, les diamants, des doigts, ta femme, on donc, Allah devait essayer de nous faire des choses. On va Allah Djeli. A essayer de nous faire des choses. La sabali duma ka hakili duma ka muyu duma ka sabali fana duma yese ka ko famu kuke an yese ka ta nyal mayan ke mo sitate ala de adi an be na boya ka ta personne même la terre dont nous serons tirés là un jour on sera déterré et aller notre destination n'est pas ici et pour cela on dit la vie éphémère d'ici bas. On va quitter la terre même là pour aller chez nous. On n'est pas chez nous. Sur cette terre là, comprenez bien, on n'est pas chez nous. On vient d'ailleurs. Ici c'est un passage. Et on va à notre destination définitive. Donc allez, ça va aller. Aye koto nyon ta la ba mon ngote o ko de karabugu shinchaya jamana be karabugu le o na ko koto yo be ko ale ke kumulo e ba na sigimi atna nyon ta ti ha karabugu mo ta ti ta be jenge don ay sabali ay koto nyon ta la ay ni kira to gala nyon ko lutna kele o objectif est qu'il y ni mi ya et qu'on y blague à l'endroit ni qu'aller par beaucoup à n'est qu'un objectif réalisé là ouais non allez te toi il n'a rien de voir nous un politicien qui est une nouvelle toi il n'y avait pas d'avoir à la fin à mort ou t'es toi il vous voyez un petit exemple quand le cadre on d'amena Imam Khomeini, quand il a fait la révolution islamique en Iran, avec les martyrs, les grands martyrs Bakr Sadr, lui aussi tentait de montrer les gens la voie d'Ahlul Bayt, la voie du vrai islam. Mais ce n'est pas facile sous certaines autorités vraiment agressives. Comme Saddam Hussein, qui lui a assassiné lâchement. Mais quand l'imam a déclaré la République islamique, il dit que lui il est prêt pour servir là où l'imam, pour mais lui il est à sa disposition. Parce que c'est la rêve des envoyés de Dieu qui a été réalisée. Vous voyez, non? Voilà. Avec Fonouma, ce sont des hommes de sagesse, d'objectivité extrême. Tu vois, non? Ne me fais pas jamana et comprenez? Ne me fais pas jamana et t'as rien fait. Ah, moi, dans ce là, même au Kela, vraiment d'une manière. Je ne sais pas comment dire, satisfaisant. Donc je dis, Dieu merci. Peut-être moi, à sa place, je n'aurais pas fait ça. Donc les politiciens, il y a des gens qui font. Il y a des gens qui font. Il doit regarder ce que l'autre fait. Est-ce que moi, je peux le dépasser? Il faut donner ton programme. Donne ton programme. Il y en a qui raisonnent, même si ce n'est pas tout le monde. Ils vont te voter par rapport à l'efficacité, l'efficacité de ton programme. Donc c'est une question de programme. Donc tu dois regarder l'autre aussi. Mais non, ce n'est pas comme ça. Hein. Non. Ah, voilà, nous, ceux-là, ils ont bouffé. Moi aussi, je vais rentrer dedans, on va bouffer. Est-ce que tu sais que corruption,
que vous êtes en train de faire là, vous allez répondre devant Dieu. Parce que quelqu'un qui vole le contribuable là, il est en train de voler le peuple tout, les 22 millions et quelques là. Là c'est plus grave. Et tu as volé une personne, deux personnes là. Tu vas répondre devant, mais tu as volé tout. Tu vas répondre ça comment? Si tout cela va prendre de toi au jour du jugement, tu vas aller où? C'est cela dans, au fond fin de l'enfer. Donc, vous voyez, les hommes de Dieu, et ils fuient de ça. C'est pour cela que vous êtes des religieux, on ne parle pas de politique. Parce qu'ils ne veulent pas se salir. Ils ne veulent pas rentrer dans les souillures. Là où il y a des mensonges, il y a tuerie, il y a escroquerie pour atteindre un objectif éphémère. Non, un homme de Dieu ne rentre pas dedans. Lui ne veut pas d'ici bas. Non. Il est ici bas, il veut l'au-delà. Il veut prendre l'au-delà à partir d'ici. Ça, c'est pas la même chose. Donc, il s'est allé. Dans la Delhi, il y a son savali là. L'élection, il est temé, il est là. Maintenant, il fait que Jamana Nyami, à la couchon, à Kirila, à la savali là. Nous, Bana, à la couchon, là où il est là. Au Lagnéné, il va rien encore. Ala ka kungo bla ukan mi bo lanyine jamana jenni ko ani jamana de jenni ko ni min be hera fani jamana yi ala ka hera la yini noy ni min be hera toro la yini ni jamana yi ala ka ti ka toro se ga hera ma kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ani su aso kono mo sanma o joni sanma munu bona che de mene kat kata an fadama fo kata se bima o lu lo harma kama ala ka jamana ntanga mo mo bi hera fa ni jamana ye ala ko tigi fana hera kanu no tigi ye ka hera ko tigi ye nga ni min ba fa ni toro ye no ko ate segi ko ala ka tigi ka toro segama ka jamana bo lafia ko ka jamana l'afia ka jamana taganya ka jamana jiruwa hak muhammad wa ali tahirin donc taifa sajadia wala lebi kala ko fenga ko gela onde la do amna leke ka datuguna inshallah bela jelin ka nganyanta أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله الحمد لله كما يحب الله يحمد وكما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفزع به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسبب بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهدني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي ولا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت وصل على محمد وآله
وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وعلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعلني من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم آمين رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجعل هذه الانتخابات في خير منك ويسر المعافية ونجح عبادك وبلادك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبغي الظالمين من أرادنا بسوء فارد ومن كيدنا فكد وانتقم منه ورد كيده في نحره إنك عزيز ذو انتقام فلا يرد بأسك عن القوم المجرمين إن بطش ربك لشديد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمعنا على الخير والهدى وكلمة التقوى وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه ومن مقوية شريعته والمستشهدين بين يدي تعين غير مكرهين وفرج عنا بحقه وكآبائه فرجا عاجلا قريبا كلم بالبصر أو أقرب من ذلك يا أرحم الراحمين استجب دعانا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين